Salut à tous et bienvenue une fois de plus à Konim. J'espère que vous allez bien parce que moi je suis au top de ma forme. Je pense que c'est la même chose avec vous, je suppose. Bon. Pour ce premier TP avec le PHP, nous allons pouvoir créer un carnet d'adresses. Bon, je ne veux pas appeler ça en tant que tel carnet d'adresses parce que je veux que, après ce que vous allez voir, donc ce que nous allons faire ensemble, vous pouvez créer votre propre carnet d'adresses à partir de ce que je vais faire parce que je vais vous donner quand même les bases. Ça, c'est quand même les bases et puis ce qui se passe dans un carnet d'adresses, quoi. Bon, sans plus tarder, nous allons présenter nos objectifs. Bon, nous allons faire la création d'une base, insertion d'une entrée dans une base à partir d'un formulaire, affichage des différents éléments que tu vois dans la BD, effectuer une recherche parmi nos contacts. Bon, sans plus tarder, nous allons voir une esquisse de ce que nous allons faire. Bon, là nous avons un formulaire d'inscription qui va permettre de recevoir les différents entiers de l'utilisateur, c'est-à-dire nous. Là nous avons un input de recherche, espace de recherche qui va permettre de chercher un nom dans la liste. Là nous avons notre liste de contacts qui sont classés là. Et les différents noms et actions pour pouvoir supprimer un contact. Comme je l'ai tantôt dit, c'est juste une esquisse. Vous pouvez prendre, la modifier, faire ce que vous voulez. Donc, j'étais juste pour vous montrer ce que vous allez faire. Donc, à quoi s'attendre d'un forme, d'un carnet d'adresses, quoi. Donc, ceci, c'est pas que vous allez faire exactement comme vous l'avez là. Vous devez modifier et faire des modifications. Mettre des mises en forme du CSS pour que ça soit de plus en plus joli, quoi. Bon, pourquoi ce input? Ce input va nous permettre de chercher les contacts. Si par exemple nous voulons chercher un contact, si par exemple nous avons 1000 contacts, nous n'allons pas passer le temps à fouiller le nom, alors qu'il y a plusieurs, alors qu'il y a des fonctions PHP Java qui vont permettre d'effectuer cette tâche. Si par exemple nous cherchons mon nom, on écrit peut-être Opio. Vous voyez, voilà, Opio qui s'affiche, même si c'est en minuscule ou majuscule. Vous voyez, Opio est en minuscule là. Vous voyez, ça a recherché. Même ça dépend. Même si la case a été gérée en arrière-plan, tout a été géré. Vous voyez là. Recherchons, mettons Foku. Ah, Foku est là. Si par exemple, comme nous avons nos contacts là, si nous allons dans la base de données, parce qu'effectivement, il faut avoir une base de données. J'ai ma base de données appelée école, dans laquelle, acronyme, pardon, pour moi, dans lequel j'ai un champ appelé, une table appelée login, avec plusieurs champs, avec six champs, ID, nom, prénom, vie, oh, j'ai tel. Si nous ajoutons un contact à partir de notre formulaire, ce nom va s'afficher là. Par exemple, voici déjà les noms qui sont affichés là. Si vous constatez, ce sont les mêmes noms. Bon, sans plus tarder, prenons un exemple. Mettons un nom. Si par exemple, nous mettons, disons, Taku. Taku. Mettons l'agent. Mettons vie, nous mettons par exemple Bouya. Âge, nous mettons peut-être 56. Tel, on va mettre un numéro. Nous avons submit, on nous dit contact ajouté avec succès. Si nous descendons là, voilà bel et bien Taku qui est là, le nom Taku qui est là, avec son numéro. Si nous entrons dans notre base de données, nous actualisons notre base de données. Ça prend un peu de temps. Bon, voilà Taku qui est là, avec son idée. Il est là. Taku Jean, non. Bon, là, nous avons préféré juste afficher le nom, quoi. Nous avons juste on pourrait afficher le prénom, la ville et l'âge, mais nous avons préféré afficher juste le nom et le numéro. C'est ça qui nous intéresse. Bon, là, nous avons cette action appelée peut-être supprimer. Bon, ici, on insère un numéro. On a la somme. On peut insérer notre contrainte a été de faire de telle façon qu'on peut insérer un contact juste avec son numéro de téléphone parce qu'on peut ne pas connaître la personne et c'est un contact. Là, nous avons Delete qui permet de faire certaines actions. Si par exemple nous pouvons supprimer cet entier, on a donc juste ce Delete
et de tous les jeux. Là, nous avons pu, du moins, si par exemple nous voulons supprimer, par exemple, disons Fouché-Ka, si on n'est plus là, vous voyez Fouché-Ka n'est plus, on clique, nous avons les suppressions au fur et à mesure. Bon, si nous mettons par exemple un nom de telle façon que nous mettons par exemple, disons, faux pas, sans numéro, vous voyez, on nous demande d'entrer au moins ce numéro. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un carnet un nom sans numéro, c'est pas logique, c'est banal quoi. Il faut quand même le nom et un numéro, ou le numéro sans nom. Mais il doit toujours avoir un numéro, c'est ça qu'on appelle carnet d'adresse. Bon, nous allons voir comment effectuer toutes ces tâches que je viens de faire. Ce sont des choses assez basiques et banales et faciles, très faciles. Vous avez le temps, vous allez faire au fur et à mesure, vous allez apprendre à faire et pouvoir faire autre chose, même plus importante que ça. Mais je vous amène à pouvoir suivre ces vidéos, ça va vous aider. Et vous allez pouvoir faire beaucoup de choses concernant ce carnet. Vous allez pouvoir modifier ce carnet à votre guise. Bon, merci d'avoir écouté. Nous allons nous retrouver dans les prochains tutoriels qui vont suivre ceci. Vous allez pouvoir télécharger et pouvoir faire au fur et à mesure. Bon, mais sans oublier, il faut n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important. Parce qu'à chaque moment, vous allez pouvoir recevoir des notifications concernant les différentes évolutions de la vidéo, du tutoriel. Bon, merci à vous et restez chez vous. Parce que nous avons un dangereux virus dehors qui sévit. Donc restez chez vous. Là, vous serez protégés. Merci. Et je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos.